précédemment dans Comment devenir maître du monde. Bonjour monsieur, excusez-moi, mais est-ce que vous auriez une idée de l'endroit où je pourrais trouver? Oh! Cœur des égouts à 500 mètres, pique-nique, jeu d'enfant. Oh! J'ai crevé une raquette, vous pouvez réparer? Ça peut se faire! Bah alors faites-le! Entrez par ici, on va voir ça! Mettez-vous là! Je vais commencer avec un coup de. Ça! Quand on joue au con avec Aristide Camillo, c'est toujours lui qui gagne, faut le savoir! Voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire rien. Absolument rien. Tu m'attends là où tu es. Je viens te chercher, compris? Oui, papa. Non, parce que je te connais. Après, ça va être des Jérémias de n'en plus finir, des grands cris par-ci, des « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» par-là. Tu vas encore me faire ton cinéma. Alors, tu ne bouges pas. Dans 3 jours, je te sors de ton trou, tu rentres à la maison et on n'en parle plus. Alors, à la une, à la deux, et à la trois! Aïe, oui. Bon ben, j'ai rien de cassé, on dirait. Alors je me casse. Allez, un peu de courage, les filles. Bolissez pas, on y est presque. Vous êtes sûr, vénérable Murchamp, c'est que ça se trouve en plastico, là? On se trouve ça rigolo? Youhou! Et on se calme, hein, on se calme, on fait pas du rodéo, là. Et accrochez-vous, je sens comme un trouble dans la force, là. Je crois que ça va se couler encore plus. Comment? Je dis, il y a un grand trouble dans la force. Un trouble dans la force. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends rien. Il y a une douille dans le cottage. Dites donc, honorable vieux crabe, c'était bien rigolo, la balade en Altico. Mais si c'est pour se retrouver encore à marcher dans le désert, je me demande bien à quoi ça va servir. Laisse tomber, Bibi, de toute façon, il fait semblant de pas nous entendre. Hé, votre majestitude! Laisse tomber, je te dis. C'est toujours la même chose ici. En plus, il est sourd comme un chapeau. On dit sourd comme un troupeau, pas comme un chapeau. C'est quoi un troupeau? Oh, je sais pas pourquoi, je perdrai mon temps à vous l'expliquer, vous retenez rien de toute façon. Ah ben c'est charmant, merci de la considération. Un troupeau, c'est... disons un regroupement d'animaux, hein, des bestioles qui vivent en collection, un peu comme ces hebdomadaires là-bas. C'est quoi des hebdomadaires? Eh ben, vous le voyez bien, c'est des machins avec une bosse au-dessus et des pattes par en dessous. Et le barbu qui marche avec, c'est aussi un lampadaire? Ah bah ben non, non, lui ça doit être leur berger. C'est quoi un... Voilà, mon brave. Eh ben, je vois pas beaucoup d'autres braves dans les parages. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien, non. Je vous apostrophe, sans plus. Bah, faites comme chez vous. Il est à vous, ce troupeau? Quel troupeau? Bah, mais les hebdomadaires, là. Ah non, je sais pas. Ils me suivent depuis un moment, mais je les connais pas. Et vous allez où comme ça, honorable daron? Bah, je sais pas trop, à vrai dire. Je cherche mon fils, en fait. Votre fils? Mais vous l'avez perdu où? Eh ben, je l'avais envoyé faire une course. Je crois bien qu'il s'est perdu tout seul, ce dégourdi. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous voulez? Il passe son temps à se mettre dans des situations impossibles, ce garçon. J'avais pourtant dit de m'attendre, mais il en fait qu'à sa tête. Toujours comme ça avec lui. Si vous voulez, on peut aller chercher ensemble. Allons, allons, allons. L'honorable voyageur n'a peut-être pas envie de compagnie. Non, en fait, c'est pas de refus. Je veux bien faire un bout de chemin avec vous, ça me changera les idées. Ces bestioles à bosse, là, c'est pas très causant, finalement. L'inaudible présente... Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof. Avec Abby Le Fanou, Mademoiselle Obi, Blast, Kenton, Phileas, Mr. Jones, Ousbou, Laurent Doucet, Monsieur Obi et Walter Proof. Livre 3, la douille dans le cottage. Leçon 9, le combat tu mèneras. Ah, oui, ah, chut, mon
la tête. Allons. Ça va aller. Aïe. Ça va aller. Qu'est-ce que j'ai sur la tête? Un cataplasme à la moutarde. Avec deux gouttes de Savasco et une gousse d'ail. Aïe. C'est souverain contre le mal de tête. Et très bon contre la chute des cheveux. Tu as perdu connaissance, John May. Là, tu m'as l'air de l'avoir retrouvé maintenant. Oui, mais... Où sommes-nous? Qu'est-ce que... Allons, John. Reste calme. Je rajoute un peu de sauce soja sur ton cataplasme. Il y a un drôle de type, là. De l'autre côté des barreaux. Où ça? Là. Un type en robe de bure, assis sur... Sur une femme? Allons. C'est la fièvre, John. Non, vous ne rêvez pas, John. Je suis bien là, et ma femme s'appelle Yvette, si vous voulez le savoir. Tu le connais, John? Qui? Eh ben, ce type, en robe de bure, sur Yvette. Ah, d'accord. Je me demandais où tout ça nous menait. En tout cas, moi, je le connais. C'est Aristide Cabillaud, le roi des cons. Exactement. Et vous allez regretter de m'avoir doublé, chère Alizette. Ah ben, je savais pas que c'était interdit. Il n'y avait même pas de panneau. En tout cas, c'est un plaisir de vous tenir tous trois en mon pouvoir. Réduit à l'impuissance. C'est ce que tu crois, fripouille? John, attention! Non, mais c'est trop tard, tu sais, il l'a déjà pris le jus, là. Vous êtes en mon pouvoir! Je vous l'ai dit! Les barreaux sont branchés sur le 220. Vous ne pouvez pas vous échapper! Vous l'ignorez peut-être, mais il y a une douille dans le cottage. Demain, comme chaque année depuis que je l'ai décidé, se tiennent les Jeux de la Bouffe, un événement incontournable pour le peuple des égouts. Vous y serez sacrifiés afin que chacun soit témoin de la force et de la puissance d'Aristide Cabillaud, les grands collecteurs, le seul Dieu vivant en ce monde, dispenseur de la vie et de la mort, juge universel, le grand con parmi les cons, c'est-à-dire moi. Allez, viens, Yvette, on rentre à la maison. Oh, John, regarde-moi ça. T'as tout bousillé ton cataplasme. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là. Ah bon? Mais pourquoi là? Ah, écoutez, ça fait 10 jours que vous me cassez les propulseurs à me demander si on n'est pas bientôt arrivé. Vous n'allez pas vous plaindre maintenant. Mais vous voulez dire qu'on est arrivé? C'est vrai? Oui, on est arrivé. Là ou ailleurs, c'est pareil de toute façon. Il a raison, vous savez. Comment ça, c'est pareil? Bon, ici ou ailleurs, on est à l'abri de nulle part. Alors on va s'installer là, hein, dans ce creux de rocher. Voilà. Les filles, allez ramasser quelques racines ligneuses. Il doit y en avoir encore dans le coin. Des quoi? Du combustible. Des trucs pour nourrir le feu, quoi. Oh, il y en avait plein qui poussaient ici dans le temps avant que les incendies ne se généralisent et que le sable ne finisse par tout envahir. Ils appelaient ça des arbres. Les pauvres fous. Et dépêchez-vous, hein, le corps céleste plasmatique qui nous éclaire va bientôt passer les 6 degrés sous l'horizon. Et alors? Bah alors il va faire nuit. Et en ce moment, au rayon lingerie, grande promotion sur le blanc de toutes les couleurs. Avec le chien 2 ans, la lessive qui aboie quand la caravelle veille. Et gloire à Aristide Cabillaud, le grand collecteur. Ceci est un message destiné à qui le trouvera, à qui l'entendra. Je m'appelle John, actuellement prisonnier de la secte d'Aristide Cabillaud, le roi des cons. Ils nous ont enfermés dans ce qui ressemble à un supermarché. Et nous sommes pourchassés par des sortes de caddies géants, des machines robotiques montées sur des roulettes. Anisette a déjà été capturée. Je l'ai vu emporter par la machine. La machine m'a attrapé! Cours, Jack! Ne tente pas de me délivrer! Je sais pas ce qui est devenu Nepomucène. Je pense qu'il a été capturé aussi. Je sais pas ce qu'ils vont leur faire. En réclame au rayon boucherie, viande de facochère, premier choix pour vos barbecues et autos d'Afrique. Et très bientôt, pour nos clients privilégiés, la grande spécialité des égouts, le rôti d'agent secret. Un arrivage est en cours. Gloire à Aristide Cabillaud. Maintenant, j'ai comme une vague idée de ce qui les attend. Et moi aussi, s'ils me découvrent. Je suis actuellement caché dans une pile de boîtes de conserve. Des petits pois, casse-graines, mélange printanier. Mais je suis sûr que les machines ne tarderont pas à me trouver.
Elles semblent avoir un sixième sens pour ça. Ou alors elles sont radiocommandées. Ou elles ont une intelligence artificielle. Je crois qu'elles m'ont repéré. J'en vois... trois, au moins. Dont un avec un siège de bébé, ils approchent. Si quelqu'un trouve cet enregistrement un jour, même dans le futur, qu'ils disent à qui veut l'entendre que John John s'est battu jusqu'au dernier. Mais on dirait qu'ils ne m'ont pas vu. Oui, ils passent devant moi, devant ma cachette, l'un derrière l'autre. Et peut-être ma chance. Si j'arrive à sauter sur le dernier, je pourrais peut-être en prendre le contrôle. Attention, un, deux, et trois! Tiens, sale bête! Moi qui... C'est le maître du monde! Non, mais... Ah! Ton œil ne bouge plus! C'est... Qui... Le patron! Et voilà! Ouh! Oh, je te lâcherai plus! En route vers la caisse! L'heure de la fermeture approche, il faut que je sauve des bouts et Anisette! Wouhou! Et n'oubliez pas, en ce moment, 6% de réduction sur tous les paquets de Milo, eau chaude, eau froide ou mitigée. Et gloire immortelle à Aristide Cabillaud. Tu prendras un café, Ruffin ? C'est pas de refus. Elle était très bonne, ça, la choucroute de cuir de vachette. Oui, c'est une vieille recette de famille. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup. À propos, t'as des nouvelles de ton patron ? Ouais, j'en ai, mais elles sont pas bonnes. Hein. Quoi ? Non, je dis, elles sont pas bonnes, les nouvelles. Ah bon ? J'ai bien peur que Monsieur Nett ait contraint à déchirer son extrait de naissance. C'est-à-dire ? Eh bien, disons qu'il a dit adieu à la vertu. Il a lâché la rampe, quoi. Parti pour la grande gare. On lui a fait passer le goût du pain, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire que... Le colonel s'est fait dessouder, oui. Voilà. Ah, c'est moche, ça. Et toi, ta taulière ? Mademoiselle Montalo, j'ai bien peur que ce soit la même chose. Pas de nouvelles depuis qu'elle est descendue dans les égouts de Romorantin avec les deux autres gus. Ouais. Je dirais que ça sent le sapin, hein, si tu veux mon avis. Ouais. Ouais, c'est sûr. Comme tu dis. Et oui. Voilà, voilà, voilà. Et dire qu'il y en a qui sont payés pour écrire ce genre de dialogue. M'en parle pas. Bon, allez, c'est pas tout ça, hein ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'on devient, nous, du coup, dans cette histoire ? Bah, je sais pas trop, moi. Faut se trouver une porte de sortie, non ? Ah bah oui. Avec notre potentiel, ce serait dommage de rester le bec dans l'eau. T'as raison. On a une expérience qui vaut quelque chose sur le marché. Ouais, mais t'as un modèle économique en vue, toi ? Je sais pas, on pourrait... Qu'est-ce que... Et si on lançait une chaîne YouTube ? Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Allons bon. Bah me revoilà attaché, moi. Eh, faudrait pas que ça devienne une habitude, hein. Vous inquiétez pas, vieux crabe, on va pas rester. Faut qu'on rentre. Vous êtes sûr ? Non, parce que moi, ce serait pas drôle. Oui, oui, je suis sûr. On est déjà en retard. Hein, Jésus ? En plus, c'est le week-end de l'ascension, on va y avoir du monde sur la route. Toi, t'en rames pas une. Alors tu pourrais au moins faire quelque chose au lieu de passer ton temps à chômer quand t'es pas au bistrot. Mm-hmm. Et en plus, moi je bosse tout le temps, toute la journée en plus. Et tu sais qu'est-ce qui me répond ? Le grand débarras, ça vous dit quelque chose ? Le grand... Chapitre 27 du manuel sacré de 12e année. Vous y êtes bien passé en 12e année. Hmm. Ah ouais, mais ça c'était il y a longtemps. Anisette, les ponts ! Que des ponts ! J'arrive ! C'était « Comment devenir maître du monde en 10 leçons ?» Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof, très librement adaptée de Cri de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Bougre. Avec Bibi, Abby Le Fanny, Chacha, Mademoiselle Obi, Vieux Crabe, Walter Proof, Dieu, Blast, John John, Kenton, Anisette Mantello, Eve, Nepomucène, Kuznetsov, Mr. Jones, Aristide Cabillaud, Kousbou, Gaëtan, Laurent Doucet, Ruffin, Monsieur Obi. À suivre.